tracteurs Honeywell d'une poussée de 2 tonnes 9 chacun. Il pèse à vide 4 6 et sa base maximum de tirage est tout simplement 9,5. Is powered by two Honeywell Avio F124 turbo fans, each generating 6,300 pounds of thrust. Has an empty weight of 10,000 pounds, a maximum takeoff weight of 21,000 pounds, and this power to weight ratio of almost 1:1 endows the aircraft with a performance approaching those of frontline fighters. Has a very respectable maximum operating speed of 590 knots, yet the stall speed is only 90 knots, which allows the young trainee pilots to get their hands on a performance aircraft while it remains within the grasp of a relatively simple operation. Maximum range 450 nautical miles. It's a tandem biplace, two-seater aircraft, and it can be fitted with up to 6,600 pounds of various weapons. Avec la société Hermès. Et bien finalement, chacun a décidé de produire son avion de son côté. IAC est en train de développer une version un petit peu orientée russe de cet avion, c'est-à-dire capable de simuler ou de Sukhoi 35, alors que notre Maki 346, celui qui évolue devant nous, lui, représentera l'entraînement de nouveaux chasseurs de 5e génération, tels que ceux dont qu'on a vu tout à l'heure, comme l'Eurofighter, ou le Rafale, ou encore le F-18. Il suffit simplement d'intégrer au boîtier, au calculateur de cet avion, les données qui représenteront le chasseur sur lesquels évolueront les pilotes. Il y a parmi les clients fidèles d'Air Maki les Émirats Arabes Unis qui, sur la base d'Al Ain, entraînent leurs pilotes à bord d'Air Maki 326 et 339. Eh bien, les Émirats Arabes Unis ont été les premiers à se montrer intéressés par l'Air Maki 346 qu'ils ont commandé à raison de 20 exemplaires. Voilà, d'accord. Certains même iraient jusqu'à former une patrouille acrobatique au sein des Émirats, donc sur la base Sheikh Zayed d'Al Ain. Air Maki have shown considerable interest in the M346, and in addition to the first batch of machines intended for the Italian Air Force, the United Arab Emirates have selected the M346 in 2009, and they're looking for 20 aircraft for training purposes, 20 aircraft for combat duties, and an additional quantity to form an aerobatic display team for the Air Force. Thank you.